Jelly Rogers. Coucou. Quel enfer. Bonjour à tous les amis, ici votre tavernier et bienvenue pour un nouveau stream sur Yakuza et Like Dragon. Bonjour Jelly Rogers. Bonjour YouTube. Bonjour. Nous allons reprendre la campagne. Enfin, la campagne. Je me crois encore sur Total War là. Mais non, c'est Yakuza cet après-midi. On va continuer l'aventure avec Ichiban da. Et j'ai cru voir un gros rat. Mais en fait, non, c'était mon chat. Damnet, je peux plus écouter ma musique si tu streams. Tu écoutes quoi, toi? Alors, ce que j'écoute. Bon, alors, ça dépend. Là, je mets surtout des musiques d'ambiançage pour les ouvertures. J'ai un peu de tout. C'est surtout des OST de jeu. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est le truc qui risque le moins de m'attirer les problèmes sur Twitch. Hein. Soyons tout à fait honnêtes. Alors, j'ai changé encore un petit peu le son du micro. J'ai enlevé le noise gate, du coup. Parce que ça m'avait l'air de pas être fameux. Et j'ai juste changé le suppresseur de bruit. Donc logiquement. Bon là on m'attend à respirer parce que je respire comme un. comme un ours. Mais voilà. Je veux dire personnellement. Ah ce que j'écoute personnellement. Ouf. J'écoute un peu tout. Alors en variété française, j'aime bien du Florent Pagny, du Marc Lavoine. Tout ce qui est plutôt international, j'aime bien. J'aime bien écouter. Bah attends, elle est où ma playlist? Green Day, Linkin Park, Nickelback, Ramsus, Simple Plan, Fall Out Boy, etc. En ce moment, j'aime bien Fall Out Boy. Mais moi, c'est plutôt du rock, R&B. J'aime bien tout en fait. J'aime tout. Et bon, j'écoute aussi un petit peu des musiques d'opening d'anime. J'aime beaucoup aussi. De tout. De tout. Ça dépend. J'ai des périodes comme ça. J'aime bien le jazz aussi. J'aime beaucoup le jazz. On va couper peut-être le son de la musique. Et on va peut-être lancer le jeu. Alors, viens voir. Bon, j'espère que le son du micro, ça sera un petit peu mieux et qu'on m'entendra moins respirer, même si j'ai des gros doutes. Ça va pas l'air. Ça va pas l'air fameux. Je vais peut-être remettre la suppression. D'ailleurs, ton chat se gère avec ton lapin. Ah oui. Moi, j'aime un peu tout, sauf le rap et le reggae et la pop. Ah, moi, j'aime pas le rap non plus. Le reggae non plus. Mais ouais. En fait, c'est plutôt au niveau du chat et du lapin, c'est plutôt le lapin qui pourchasse le chat. Donc, voilà. Ça veut dire que tu vois le niveau du chat quand même. Elle fait que bouffer et dormir, donc bon. Ah! Caméra 1! On vient de perdre la caméra. Attendez. Vous me voyez toujours? Alors si ma caméra lâche, je crois que je fais un meurtre.
On va voir. Hop là. Quel prédateur, ouais. Ah, tu m'entends. T'es penché. Ouais, là, je suis plus que penché. Là, on me voit pas, mais. Putain. Conne de caméra, là. Ah, ça y est. Chez moi, elle remarche. Mais sur le stream, elle marche plus. Là, hop, hop. Silence, le chat. Ah, si je la réactive. Ça y est! C'est bon. Quel enfer. Il y a un roi des tombes chez Khemri qui se nomme Roi Pentu. Yes. Allez! On va peut-être se relancer sur le jeu. Wow! Baisser un petit peu le son chez moi. Est-ce que je le baisserai pas un peu chez vous aussi? Est-ce que le son du jeu ça va ou est-ce que c'est trop fort, Jelly? Dis-moi tout. On va charger la partie. Regardez-moi ce prédateur là. Bonjour le chat! Un peu, hein? Peu. On va mettre voilà un gros peu là, ça doit aller mieux. Ah ouais, toi aussi tes oreilles, putain, m'y attendais pas. Ah, ça doit aller un peu mieux là maintenant, quoique encore un petit peu, peut-être un petit peu mais pas beaucoup, hein. Ça va là? Allez. On va laisser comme ça alors. Ok, du coup, on reprend. Là où on a. Putain, du coup, il y a tous mes fils qui se sont enroulés là. Oh, fais chier. Oh le. Oh, cette angoisse. Je vais baisser le son aussi. Ouais, parce que j'ai tendance à mettre le son un petit peu fort partout. Pour Non, mais là, ça me saoule là. Là. Attends. Je suis en train de voir le truc du micro, là, c'est n'importe quoi. Attends, hop, suppression de bruit. Hop là, on va mettre en spix. Voilà, on va faire. C'est quoi? Je remets le son de micro comme je le faisais avant. Là, ça doit être un peu mieux. Bref, j'ai tendance à mettre un petit peu le son fort pour que les gens puissent eux-mêmes baisser chez eux. Et moi, dans mon micro, vu que je peux le contrôler moi-même, le son qui vient dans mon casque. Bref, on va reprendre là où on l'avait laissé la dernière fois, la campagne. Alors, du coup, la campagne, l'histoire. Donc là, je vois qu'on a une quête, ou alors on a des gens auxquels parler. On doit aller parler à des gens ici aussi. Quel sang-froid, il répare son setup son en stream. T'as rendu compte, hein? Ça, c'est. Qu'est-ce qu'elle a dit? On dirait que tu as bien dormi cette nuit. Dame à Louis Fine. Ah bah là, pas tellement Louis Fine. Mais t'as vu, hein. Non mais parce que du coup, j'ai eu pas mal de problèmes. Avant j'avais un autre casque, si tu veux, et c'était de la merde. C'était encore plus de la merde. J'avais un micro sur trépied et tout, et c'était de la merde aussi. Du coup, il a fallu que j'opte pour un casque USB, mais c'est un peu chiant à tout gérer le son. Donc du coup. Moi, quand j'ai des gens qui sont avec moi, je préfère leur demander. Parce que du coup, comme ça, c'est plus facile pour savoir si le son est trop fort ou pas. Direct cinématique. C'est quoi ce truc? C'est une batte de baseball plantée dans le sol. Il y a un truc enfoncé dans le sol, ce serait pas une batte. Pourquoi il y aurait une batte coincée dans le sol? Peut-être juste une blague. Ou alors c'est un avertissement. C'est Excalibur! Qu'est-ce que tu fous? Ça se voit pas? J'ai essayé de l'enlever. Je parie qu'on pourrait en tirer un bon prix chez un prêteur sur gage. Ils vont faire Excalibur et t'as vu, c'est exactement ça! On a pensé la même chose. Prédiction.
J'avais jugé. T'as vu? Il n'y a que Ichiban qui va pouvoir apprendre. Ah, la chute, tu avais la force, toi. Vas-y, essaye. Très bien, voyons voir. Il va pas y arriver non plus. Ça bouge pas, si j'y arrive pas, personne ne pourra la sortir de là. Ouais, j'ai compris, Jelly. Pardon. Et voilà, rien de plus simple. J'y crois pas, bien joué. Comment tu as fait pour y arriver? C'est sûrement parce que c'est moi l'élu. Ouais, ça doit être ça, j'avais oublié qu'on a un héros légendaire dans l'équipe. Vous savez que dans les jeux de rôle, il y a toujours une épée sacrée que seul le héros peut récupérer. Et Kasuga est sur une quête pour devenir un héros depuis qu'il est gamin. Ouais, en quelque sorte. On peut pas dire que cette vieille batte ressemble à une épée sacrée. Car la réalité rattrape la fiction. L'épée sacrée du héros. Je vais devenir le sauveur du monde. Au secours! On sent que tu es motivé, Ichiban. C'est un rôle qui te va comme un gant. Quand vous aurez terminé vos conneries, on pourra peut-être aller chercher du boulot. Des loubards. Alors, les gars, vous vous abusez bien? Chasseurs de vieux. On cherche justement des vieux comme vous. Soyez gentils et envoyez la monnaie. Alors, on n'a pas un rond. Vous voulez pas croire que vous êtes fauché à votre âge? Va falloir mentir mieux que ça, bande d'enfoirés. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à accepter la réalité. Dis donc, monsieur l'héros, tu voulais pas pourfendre qu'elle commence avec ton épée sacrée? Alors ça, c'est une super idée. Comment ça se fait qu'il s'est transformé, le mec, là? Il était tout petit, maintenant il est très gros. Wow, c'était quoi ce bordel? Vous avez vu comme ces types se sont transformés? Ils ont 38 euros, c'est ça? 勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか? Tes conneries de héros sont montées à la tête. Tu passes trop de temps sur les jeux vidéo, monsieur le chômeur. Vous avez rien vu? On s'en fout. C'est même plus amusant comme ça. Ah oui, on a le vomi des flammes. Ah, c'est une attaque en zone. Alors lui, du coup, qu'est-ce qu'il avait? Alors, raclé. Télescopage jusqu'au prochain tour, Adachi. Toute attaque rapprochée de l'ennemi sera violemment contrée. Ah, c'est bien ça. C'est le tank, en fait, Adachi. Foncez sur l'ennemi, percutez-le. Infligez également des dommages collatéraux aux ennemis sur votre passage. Adachi utilise son autorité pour provoquer tous les ennemis, ce qui peut les enrager. Voilà, ça marche, ça. Est-ce que ça marche, ça? C'est raté. Ils sont 38 euros. Ils sont en train de se battre pour 38 euros, là, en fait. Hein. Ah, il peut dormir. Récupérer une partie de vos PV en dormant debout. Pouvoir... regard implorant. Est-ce que je peux prendre de l'argent? Regard implorant, normalement, on peut... On peut piquer des objets aux adversaires. Bon, on va éliminer lui. Mais c'est nul ce bat, ça fait aucun dégât. Allez, racle. Je veux pas d'Adaji. Oula. Cravate plongeon. Bon, les combats prennent un petit peu plus de complexité maintenant. T'as lui par contre. Là-bas, récupérer ses PM. Swing puissant. On va le faire sur lui. Ah, je me suis trompé de touche. Ah, qu'il est au sol. Voilà. Oui.
Et voilà. Fil métallique, cuir grossier, plomb impur. Il y en a deux qui ont pris un niveau. Un qui a pris un round job et l'autre qui a pris un niveau. Progression de job, PV plus 10. Ah, c'est bien ça. Vous avez pris l'aptitude suivante. Poudre cicatrisante. Oh. C'est le soigneur, lui. Et lui, c'est vrai qu'il était médecin. J'avoue. さっき戦ってる最中によ。本当にこいつら変身して見えなかったか?あ?いや、本当に変身して見えたんだって。大したもう総力の勇者様だな。妄想?さっきのは俺の妄想だったのか?まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか? Non mais ça c'est ça je reconnais ça. Ça c'est un cancer au cerveau qu'il a. S'il commence à imaginer des trucs comme ça. Yo, a 10 chaud d'arrow, 10 chaud. Nara, au moins, quand on a mon gars, tu commences à l'énergie. Kazuga occupe maintenant le job de héros. T'as gagné dans ta découpé leur fringue pour avoir du. Et t'as démonté leur snoton pour avoir du cuivre, quel gangster. C'est un peu ça l'idée. Les ennemis en ville changeront d'apparence suivant l'imagination de Kazuka. Ah oui, c'est vrai qu'on doit aller à Elwark hein, depuis le début. J'avoue que Ichiban, question gangster, c'est plus un gros geek qui a des hallucinations en fait. Bon, du coup voyons voir. Smartphone, qu'est-ce qu'on a eu? Combat, expérience. L'expérience d'Adachi atteint côté des cliffs lui confère une défense exceptionnelle contre la rage, la peur et le sommeil. Ouais donc c'est le tank. C'est le tank. Par contre, il n'y a pas un truc genre job, je crois. Non, c'est pas ça. Un groupe. Voir les jobs. Ah, je peux être freelance ou héros. Mais on peut pas choisir le job qu'on veut, là, directement. Après confinement simulator, après avoir passé 15 ans dans sa chambre, un japonais cherche du boulot. C'est exactement ça. Pourquoi du coup vous pouvez choisir ce job? C'est bizarre ça. Je peux pas non, je peux pas, visiblement. Ah, peut-être modifier. Non. Excusez-moi. Non, équipement peut-être. Batte du héros autoproclamé. Une batte que seul un héros peut soulever, d'après Kasuga. D'accord. Non, ça doit. Tâche, c'est les quêtes. Aptitudes, ben ça porte bien son nom, c'est les aptitudes. Dragon de cartes, héros à mi-temps. Ah, ça doit être ça. Ça doit être un héros à mi-temps, je pense. Ça sera très certainement quand on sera allé en ville pour. On sera allé dans à Hello Work pour apprendre à changer de métier. Oji-san, kino boku tanjoubi datta nda. Sou nano kai? Ja nani ka prezento o ageneba na. Ah, sore wa betsu ni ii yo. Gomen ne, boku mo onedari suru mitai ni natchatte. Iya iya. Sono toshi no tanjoubi wa ichido kiri nan ja. Intrigue secondaire, c'est l'intention qui compte. Donc le gamin, il va voir un vieux dans la rue, lui dit ça a été mon anniversaire. Ah,
En plus, il y a des cours du soir. Hein. Donc, du coup, le gamin doit être riche. C'est écrit Shota dessus, ce serait pas ce gamin. Alors, une quête palpitante qui arrive. Bon, bah, allons voir le vieux. Qui êtes-vous? Moi, c'est Kasuka, je suis presque sûr que ce mouchoir appartient à un gamin à qui vous parliez tout à l'heure. Et moi, je m'appelle Gina, et très bien, je le lui rendrai la prochaine fois qu'il passera dans le coin. Je suis vieux! Shota, c'est un brave garçon. Je le voyais assez souvent sur le rivage, alors j'ai essayé de lui parler. À ma grande surprise, il a bien voulu discuter. Oh là là, et c'est parti. Shota s'est mis à relater ses aventures à l'école et moi je lui ai raconté mes histoires sur le bon vieux temps. Ah ouais, c'est pour ça que vous voulez lui faire un cadeau. Enfin bref, tout ça pour dire que, pour être honnête, j'ai un fils de l'âge de Shota. Quand je le vois, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer mon garçon. Je n'ai jamais réussi à être un bon père pour mon gosse. Alors même si ça ne change rien à quoi que ce soit, j'aimerais essayer de faire une surprise à Shota. Je vois, il n'y a aucun mal à cela, mais si vous décidez, essayez de ne pas trop en faire non plus. Ouais. Ok. Ah. Ouais. Petit con. Voilà. C'était la quête secondaire. Ah ouais, mais il y a plein de quêtes. Ouais, mais est-ce qu'on n'irait pas d'abord chercher les... Enfin, continuer la quête principale. De toute façon, la quête principale, elle est sur le chemin. Ça va mieux, madame, qui s'est lavé. On va d'abord aller à la quête principale. Hein. Avant ça, ramassons les hyènes par terre. Alors... Cool forest. Cool. Voilà, du coup, ils vont bien accepter qu'on travaille, du coup, normalement. Oh là là, on va jamais y arriver. C'est impossible de travailler dans ce monde, sans déconner. Pourtant, je pensais qu'il suffisait juste de traverser le trottoir. Hein, je sais. C'est la merde, toujours pas de boulot. Bordel, pariez pour moi. J'aime bien. Oh là, ça casse les vélos et tout. Non mais vas-y. Matsu s'en est peut-être sorti, mais pour les autres, c'est vraiment pas joie. Ça va venir, les gars. Il faut être un peu patient. Ah, tiens, tiens. Ce serait pas Adachi? Mais si, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Adachi, encore? Tu les connais? Franchement, je suis pas sûr. Avant, c'était pareil quand j'étais flic. Hein. Souvent, les gens disaient « Ah, depuis que je vous ai vu la dernière fois, vous allez bien. » Ouais, ouais. Je me souviens de toi. Mais pas innocent, t'as bousillé nos vies. Ah ouais, j'imagine que vous avez mis derrière les verrous. Personne n'oublie les Panthères Roses de Yokohama, le gang des voleurs le plus connu des Shinjo. Ah mais oui, je me rappelle. Ça remonte à quand, ça, les gars? 20 ans. On a un casier à cause de toi. Et du coup, on n'arrive pas à trouver du boulot. C'est à toi d'assumer tout ça. Pas de sa faute si vous êtes fait choper. Bah ouais. Quoi, t'es flic? Non, moi je cherche juste du boulot. Laissez tomber, ils en valent pas la peine. On se tire d'ici. Ouais. Attends un peu, Adachi. Pourquoi est-ce que tu cherches du travail? Parce que je suis plus flic, tout simplement. Tu as démissionné. Oh, eux, ils vont chercher la merde. Hein. Ils savent qu'il est plus flic. Hein. Ça veut dire que tu as plus le droit de nous arrêter, pas vrai? Même si on te frappe. Oh, les racailles. Vous tenez tant que ça à vous venger, vous pourriez mettre toute cette énergie à chercher du boulot plutôt. Ferme-la, on va vous défoncer tous les trois. Vous pouvez désormais sélectionner le mode combat auto. Appuyez sur LT pour activer le mode combat auto. Maintenez LT enfoncé pour faire au chaud. Oh. Non, on va pas mettre le mode combat auto. Ouais. Wow.
Ils essaient de me voler de l'argent. Alors ça, c'est ça par contre, c'est inadmissible. Putain, il se met à saigner. Ce mélangeur restaure une partie de PV d'un des alliés. Donc là, du coup, normalement, je peux soigner Adachi. Hein. Ah. Comment il est tombé par terre? Ah, il est swing puissant. Et je me sens tellement faible. Je pense que j'ai besoin d'une séance de farming. T'es toujours pas mort là. On va peut-être s'auto-soigner. Bon, les combats commencent à devenir un peu plus difficiles. Hein. Bon, faut qu'on élimine les gars, ça ira mieux là. Voilà. Et il est toujours pas mort. Hein. Allez, moins un. Bon. Ichiban reste quand même un peu plus puissant. Level up. Niveau 10. Succès déverrouillé. L'éveil du dragon. On a eu du bois robuste. Bon, robuste, c'est sans doute les restes de la batte. Ouais, ok. Tout a augmenté. Il a appris l'aptitude du job suivante, racler brutal. Bande d'enfoirés, on n'en a pas terminé avec vous. Ouais, c'est ça. Si ça, c'est pas de la rancune. J'aurais été autant type que ça pour pas te souvenir de leur tête. C'est l'histoire ancienne, mais au moins, j'avais pas à me taper toutes ces conneries quand j'étais flic. Je me demande si ça va être tout le temps comme ça maintenant. Si c'est le cas, je vais peut-être éviter de traîner avec toi. Ils peuvent venir, c'est pas un problème. Allez, on va faire un tour à Hillwork. Eh ouais. Allez, allons récupérer les jobs là. Les différents jobs. Hein? 100 yens. Round 2, fight. Qu'est-ce qu'ils vont me demander cette fois-ci? Personne suivante, numéro 68. Je m'appelle Ichiban Kazuga, j'ai 42 ans, je suis plutôt costaud, j'ai un endroit où dormir et je cherche du travail. Aidez-moi s'il vous plaît. Calmez-vous un peu, pas la peine de vous donner un spectacle. Hein? Mais tu serais pas ce gardien? Et toi, tu es ce sans-abri que j'ai envoyé au bar pour un petit boulot? Alors comme ça tu as trouvé un endroit où habiter? C'est grâce au petit boulot que tu nous as confié. Ravi de l'apprendre. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? C'est ici que je travaille. Directeur? Ah ben voilà. C'est ton directeur ici? Je pourrais peut-être vous aider à trouver du travail. Je vois que tu t'es fait des amis. On est même trois dans mon groupe maintenant. Ton groupe? Tu es fan de jeux vidéo, Kazuga? Ouais, je suis un grand fan de Dragon Quest. Dragon Quest, c'est un bon jeu, j'y joue moi aussi. Oh putain. Enfin bref, voyons voir ce qu'on peut trouver pour un héros et ses fidèles compagnons. C'est vraiment sympa, merci. Mais attention, la dernière fois, c'était exceptionnel. Je veux juste voir comment les sans-abri pouvaient s'en sortir. Là, on fera des choses de manière officielle. Il y a des règles à respecter. Quelles règles? La règle d'or, c'est que je ne peux vous proposer que des offres pour lesquelles vous êtes qualifié. Même dans Dragon Quest, il y a des missions qui sont inaccessibles tant que le personnage n'a pas atteint un certain niveau, n'est-ce pas? Là, c'est un peu pareil. Quand on y pense, la vie, c'est comme un grand jeu de rôle. Enfin, vite fait, hein. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre avec notre niveau actuel? Un ancien détenu, un clochard et un flic qu'on a mis à la porte? Pour moi, je n'ai pas vu que ça vous proposer.
un bain public spécial. Oh. Putain. Un seau à plantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Sont où mes lunettes? Elles sont là. Moi j'ai quand même de l'expérience. D'après ce que je vois, tu n'as jamais été marié. Et c'est quoi le rapport? Tu veux me faire croire que tu as vécu seul toute ta vie sans jamais avoir recours à un service payant? Ce job est pile dans tes cordes. La station d'épuration. C'est une station d'épuration? Et oh. Oh non. Oh non. C'est pas comme si c'était vraiment illégal. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir accumuler un peu d'expérience professionnelle. Et n'allez pas croire que ce boulot sera une partie de plaisir. Le propriétaire est un peu excentrique et c'est lui qui décide s'il veut vous embaucher ou pas. Bonne chance. Yo. Pas de problème, on va assurer. Allez, on va aller nettoyer du caca. Youpi. Allez, on peut passer. C'est où? C'est là-bas. Un bain public. Ouais, non mais je sais pas, c'est... Ça m'a l'air chelou cette histoire. On va aller là où il y a la quête secondaire, c'est sur le chemin. Est-ce que je peux grimper par-dessus? Non. Pire jeu. C'est une hypothèse. Ah! Il y a plein de méchants! Je les veux tous! Ah mais ils sont nombreux là en fait! Alors, normalement je peux faire Ah ouais mais j'ai plus mon attaque de groupe en fait. Bon. L'essence du chaos. Déjà qu'il avait pas beaucoup de cheveux celui-là. Ah du coup il y a l'autre qui se rajoute en plus. D'accord. On a le troisième membre qui s'est rajouté sur la bagarre. Mais il est pas mort. Enfin, faut l'achever. Hein. Allez, moins un. Bon, ça va. Ils sont nombreux, mais il fera pas fort. Alors, foncez sur l'ennemi, percutez-le. Ah, ça peut être bien, ça. Il y a un, son job, je vois, lui, c'est coup au carré. Coup au carré, Kai, il n'a pas été à la hauteur. Bon, ça va. Tu sens la puissance de l'SDF. Ok, il a pris un rang de job du coup. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a pris. Du coup. Ah, il y a le vieux monsieur. C'est le vieil homme qui est ami avec le jeune Shota. N'oubliez pas qu'il allait lui faire un cadeau. Eh, vous avez trouvé un cadeau pour le gosse? Oh. Tiens, salut! À ce propos, vous n'auriez pas une idée de ce qu'aiment les gamins de nos jours. Je me suis creusé la cervelle, mais je ne sais vraiment pas ce qui pourrait faire plaisir, Shota. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Vous ne lui avez jamais demandé quelles sont ses passions? Ben, je le vois souvent lire des bouquins, mais il n'en parle pas beaucoup. Il ne me raconte pas ce genre de choses. Ok. Que faire? Une idée, Kazuga? Console de jeu récente, objet fabriqué à la main, ou moi? Qu'est-ce que t'en penses, Jelly? Ça a pas l'air d'être un gamin intéressé par les consoles de jeu. Après, les consoles de jeu, en général, ça fait plaisir à tous les gamins. Mais lui, il a pas l'air tant intéressé que ça par une console de jeu. En plus, une console de jeu, le vieux, il a pas de quoi se la payer. Hein.
Un objet fabriqué à la main. Bah, un beau dessin. Voilà. Objet fabriqué à la main. C'est bon, hein, voilà, ouais, d'accord. Et si vous construisez une étagère pour ranger ses bouquins, il est beaucoup, alors ce serait cool. Vous croyez vraiment qu'un gamin aujourd'hui voudrait une étagère? À mon avis, c'est l'intention qui compte. Tout ça se tient. Gentillesse plus 10. Une étagère, ça devrait être dans mes cordes. Bon, c'est décidé. Super, va pour une étagère. Bon courage alors. Je sais que c'est un peu dégoûtant de vous dire ça, mais vous pensez que vous pourrez m'aider à construire cette étagère en trouvant les matériaux? J'ai jamais rien fait de ce genre. D'accord, pas de problème, c'est moi qui ai eu l'idée. Après tout, je peux bien vous donner un peu de main. Si vous trouvez des bois et des clous, je m'occupe de chercher les outils. Ok. Est-ce qu'on a les bois et les clous? Trouver des clous et des planches. Ah, putain, je suis en train de renverser tous les vélos. Il n'y a pas un genre d'indicateur de quête qui dirait non. On va aller voir l'autre quête hein, en même temps. On peut se mettre en mode... Waouh. En mode FPS. Voilà, t'as tout compris, Olivier. On va tabasser. Oh, le gros. Ils ont des énormes bouteilles. Subissez mon vomi des flammes. Ouh, c'est des sacs à PV ça par contre. Hein. Là par contre si je fais une charge téméraire alors qu'il y a l'autre au milieu, il va se prendre des dégâts. Voilà. Goinfre Morita attaque. Oh putain il fait mal hein. Il brandit fièrement son arme. Mais, attendez. Si je lui fais... on va essayer de piquer un objet. Oh, il a eu un truc. Cure grossier. On va essayer d'éliminer ce punk là. Peu caché, ça dit. Voilà, il en reste plus qu'un. Donnez-moi vos clous et votre bois. Ouais, juste des attaques normales, ça devrait être suffisant. Voilà. Plastique résistant. Merde. C'était pas du tout ça. On dirait que c'est juste là. Tu vois, ce moment où tu achètes un jeu d'occasion et il a déjà des données de sauvegarde, c'est histoire personnelle que quelqu'un. Réfléchis-y un peu, ouais. D'accord. Ces gens sont bizarres. Le film, le seul bureau, a l'air hilarant. On devrait aller le voir. Ouais, mais si on va au cinéma des films anciens, je risque de m'endormir pendant la séance. Ça m'arrive toujours là-bas. Je vais le quête. Ah, j'ai dormi comme un bébé. Un film débile et un petit bourdonnement apaisant, on s'assied et on se détend dans le noir. On aura rêvé pour faire la sieste. Ouais, je reviendrai la prochaine fois que les cours sont annulés. J'ai aucun souvenir du film en revanche. Alors on est deux. Un cinéma rétro, j'imagine qu'il diffuse que des vieux films. Ah, là, vous voyez ma femme, elle aurait fait une crise cardiaque en voyant le requin. C'est pas l'hôtel ici. Soyez un peu respectueux, d'accord? あ、お兄さん、よければ映画見ていきませんか。時代を彩った数々の名作映画を上映していますよ。え?ああ。いや、暗い中で小難しい映画とか見てると俺も眠くなっちまうんだよな。そうなったらなんか申し訳ないっつうか。 大丈夫ですよ。古い映画イコール難しい映画ということはありません。SFや恋愛、サスペンスなど馴染みやすいジャンルの映画だって数多くあるんです。
最新の映画に負けずとも劣らないくらいの迫力や手にやCG がない時代の映画なんて本当にセットを大爆発させたりしているので迫力の質も違うんです。それが逆に新鮮っていうか、そんな感覚がきっとあなたを成長させてくれます。あ、デバッシュルシネマ。それにしてもあんた本当に映画が好きなんだな。目がキラキラしてるぜ。まあ仮にも名画座の支配人ですからね。そこもさまとるフィルムズ多様化した時代を生きる人たちに昔の名作映画に触れてもらって少しでも感動を与えられたらと思うんです。忘れられた名作ってちょっと寂しいじゃないですか。エンターテインメントである以上仕方ないことかもしれませんが、時々はそんな映画を思い出してもらいたいんです。C'est parti pour les tontons flingueurs. それでこの名画座ってわけか。はい。この海猫座は老若男女それぞれが感動を体験できる場であってほしいんです。まあ、中には眠ってしまわれる人もいますが。そうだ。せっかくの機会ですし、ぜひお客さんも見ていってくださいよ。初めてのようですし。初回はサービスしちゃいますよ。あ、3いいのか。ええ、まずは海猫座の良さを知っていた。Un film gratuit, c'est pas si mal. Comment vont-ils amener un fight dans un cinéma? Ouais, c'est bien la question que je me pose. D'ailleurs, Julie, j'en profite, j'ai mis à jour le programme. Demain soir, en fin de soirée, je streamerai du coup sur Total War, Warhammer. Bon, film gratuit, c'est... mais ça sera en fin de soirée, ça sera vers les 23h30, minuit. Je crois 1h30, 2h du matin. Bon, film gratuit, c'est pas si mal, je pourrais tenter le coup. Bon, on va aller regarder le film. Hein. Bon, je suis déjà là, alors on peut en profiter. Bon, après, c'est pas sûr qu'il y ait un combat. Hein. On va y en voir. これから上映するのはロボットコックというクッキング系アクション映画の金字塔なんですよ。何度見てもいいですよね。ミドラム culinaire、ミフィルム、j'ai pas vu quoi。で、あんたも一緒に見るのかよ。当たり前じゃないですか。好きな時に好きな作品を見られるのが支配人の特権なんですから。たぶん、俺、toute ta vie、c'est tout。あ、そう。T'inquiète, non mais t'inquiète pas, je te lis juste au cas où. Mais si t'es pas là, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ça, 始まりますよ。上映中の居眠り、素晴らしい映画を制作してくれた方々に敬意を払わないといけません。On va montrer tout notre respect à ceux qui sont donné la vie, à donner la vie à cette œuvre. 私から言わせてもらえば、まばたきすらももったいないですよ。Oh, il a un souci. Yabé. Toi, il te connaît que comme Mioni, il y a un peu de temps. Il va s'endormir. 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 Il va s'endormir.家族も友も愛する者もわからない。だがこれだけははっきりとわかる。私は料理のために生きるのだ。Cyborg Class qui aime cuisiner d'abord pour... D'accord, pourquoi pas. J'espère que j'arriverai à ne pas m'endormir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais... Testez vos réflexes en appuyant rapidement sur les touches affichées afin d'empêcher certains moutons de des songes d'endormir Kazuga. Vous gagnez si Kazuga arrive à garder les yeux ouverts jusqu'à la fin du film. S'il y parvient, il deviendra certainement un homme meilleur. Repoussez les moutons de songes en appuyant sur les touches affichées. Les coqs vous soignent, mais si vous les touchez, ils chercheront à se venger.
Si vous appuyez sur une touche alors qu'il n'y a aucun bouton, vous subirez des dégâts. Pour les moutons au réel de l'info, appuyez rapidement, vous devez appuyer sur la touche 5 fois. D'accord. Il y a toujours un moment où le film devient particulièrement assommant. C'est là que les ennemis passent en mode ruée. Les moutons des songes dorés font alors l'apparition et infligent un effet de sommeil renforcé. Occupez-vous d'eux en priorité. Alors, ok. D'accord. Ah ouais, c'est avec les touches et... Ah ouais. Ah! Mais quel enfer! Ah oui, du coup, faut pas l'attaquer, hein. Pour l'instant, on est pas mal, hein. Quel enfer. Ok, on est à la moitié du film. Premier niveau est terminé. Bon, ça va. Parce que là, c'est facile, hein. C'est tout ? J'ai envie de le refaire. Les moutons du sommeil. C'est censé être une selle palpitante, mais utilise la même technique encore et encore. Ça va m'endormir. Ah, t'as combien là ? Ah non, c'est bon. Niveau final, départ. Pouah ! C'est enchaînant. Ça va, c'est facile pour l'instant. Je vais y attaquer le coq. Encore un mini-jeu à la con. Après, si on pouvait faire un perfect, ça serait bien pour le début. Bon, ça va. Mouton qui est en pleurs. Ce goût, cette chaleur. Le sel! C'était ça donc le secret. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Souvenir de sa famille le rend plus fort, c'est assez touchant en fait. Du coup, on a fait un perfect. On a tout réussi, rang S. Voilà. Bienvenue sur Yakuza. Puis ouf, au moins j'ai réussi à rester réveillé. Mais c'était vraiment bien, j'imagine, quand mon film reste un bon film, qu'importe son âge. この先もずっと見ることはなかったんだろうな。多様化した時代を生きる人たちに昔の映画を通じて感動を与えたいか。他にも映画やってるみたいだし、これからもまた時間を作ってきてみるとするか。今日はありがとうな、支配人。その上にイドー。 Intrigue secondaire, cinéma Paradiso terminé. Mais c'est marrant, Yakuza quand même. Par contre, qu'est-ce que j'ai gagné?
à part rien. Rien. J'ai fait tout ça pour rien. Ma vie, c'est nul. Bon, allez, on va continuer la quête principale, c'est-à-dire aller ça au plan, là, enfin le bain public. Qu'est-ce que tu fais, Yakuza? Oh, j'affronte des moutons. Des moutons qui essayent de m'endormir et je dégomme des gros. Des gros avec. Avec des bouteilles de coca gigantesques. Les cousins des boutons. Ah, swing puissant, ça permet d'attaquer deux mecs comme toi. Peut-être que si tu fais beaucoup de points, tu gagneras des trucs. Ouais. Probablement. Ah, attends. Charge téméraire. Si lui il reste en plein milieu, il va prendre des dégâts. Ouais, voilà. Je pense. Oui. Ouais, va juste suffire de faire des coups basiques et ça sera terminé. Sol, on n'en parle plus. Cuir, film et taïka. On n'a toujours pas les matériaux pour l'autre. On va pas faire que ça. Hein. On va peut-être continuer l'histoire. Ah. Oh non! Oh non, pas eux! Fermez les yeux! C'est quoi son problème à ce type? Encore un nez qui traîne à la rue, ce n'est pas ce qui manque par ici. Une soigne comment? J'ai des potions ou alors. J'utilise les aptitudes de Namba. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais d'abord soigner dans le bas. Ce qu'il fait, il danse avec joie. Or, combat, je veux dire, bah, j'ai des. C'est avec la bouffe. Hein. Avec la bouffe ou dans les restaurants ou je pense il y a des points en fait de il y a des sortes de points en fait hein. je te montrerai sur la carte hein. Oh mon dieu il souffre en silence avec un swing puissant ça va être pas bizarre hein. Attends, tu sais quoi? On va finir de soigner. L'autre là, le flic. Et je vais faire implorer. Utiliser sa technique pour qu'il essaye de récupérer. Ah non, je me suis gouré! Je croyais que c'était l'autre. Attends. Ah, il a plus de PM. On va le faire parler. Alors, aptitude, regard implorant. Ça ne marche pas. Pierre mystérieuse, pierre étrange. Vous avez appris l'aptitude de job suivante, leadership intrépide.
trop bien. C'était quoi son problème sérieux? Cette ville craint de plus en plus, j'avoue. Moi aussi, je suis un peu déçu. やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録登録。学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くないな。ティオ・オネガ、フォー・ラ・フェア。おい、何してんだ。ああ、すまん。この辺でなかなか見ないやからだったからな。つい夢中になっちまったよ。おっさん、何者だ。 Le mec il se balade dans la rue avec une blouse et des stylos et des cicatrices de partout et il cherche des gens tout nus. <rire> めちゃくちゃ怪しいぜ。食えるもんは食える時に食わねえと、この町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえ。分かったよ。 Si on en croise d'autres, on réessayera de leur piquer des trucs. ここが俺の事務所。通称スジモンセンターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて、スジモンについて聞きたいんだったら。 説明してやろう。なめ、je cherchais pas à savoir。その筋のもの、という意味だ。筋のもの、筋もん、筋もん。もう、c'est loin de l'intrigue principale là。まあ、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンと呼んでる。 Moi j'appelle ça des cassos, mais chacun son vocabulaire. Hein. Même plus des crassos. Micrado, micassos. Des crassos. この世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの一日は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどだ。だが実際に。 どんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、お前らは答えられるか。ああ、そう言われると答えらんねえな。だろ、多くの人が危険な人間がどんな種類のタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに 今も誰かが危険な人間に近寄り、危険な目にあっているんだ。だから俺は危険な人間がどんな奴で何種類いるか、正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたい。いわゆるベスティアラ、お前。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えてんじゃねえか。だが、なんでそんなことを始めたんだ。まあ、過去にいろいろあってな。 俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ。それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという。Lui avec une cicatrice comme ça, il se fait tabasser? なかなか進んでいない。まあ、そりゃそうだな。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで。 なお、かつ巻き込まれても、まあ大丈夫そうな屈強で気さく。そういうやつが見つかるといいな。じゃ、俺らはこれで。おい、ちょっと待ってくれ。なんだ？まさか俺たちに筋紋のデータを集めるとか言うんじゃ。あ、別にペイや。 別に無理に戦えとは言わない。戦うことに情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪い奴らと頻繁に戦ってるんだろう。ならついでに協力してくれても
Après, c'est parce que c'est le début du Yakuza. En vrai, c'est le temps que tout se mette en place. Les récompenses de progression. L'autre il est trop chaud dans le bas. Ouais, c'est ce que. Ouais, je pense que c'est le temps que toutes les quêtes secondaires longues comme ça se mettent en place. Je crois qu'on m'avait dit que. Après, ça parlait un peu moins bien. Que c'était surtout le début. Hein. L'application SushiDex a été installée sur un smartphone de Kazuga. C'est pour un ranger. On prend lequel? Attrapez-les tous. Ah mais oui, c'est Pokémon. Excellent. J'avais pas fait le rapprochement. Mais oui. Bon, t'es team quoi? Vert, bleu ou rouge? Bon, je m'en fous. Ouais, j'avais pas fait le rapprochement. Alors, rouge, bleu ou vert? C'est toi qui choisis. Quel est celui qui t'inspire le plus? Le vert. Allez, vendu. Allez, bulle bizarre. さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。もしかしてこいつらと戦えってのか。そりゃアプリは。敵やっぱ。敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。むちゃくちゃだな。さあ行け。登録の仕方。体に。je vous choisis. Ok. Ouais, pour développer. T'inquiète. Alors, au moment, le feu est efficace contre les Pokémon de type plante. Hein. Ah, je me gourde de touches à chaque fois. Alors, on va éliminer le vert. Voilà. C'est le professeur Chen en fait. Je vous choisis. Alors lui là. Pour qu'il puisse balancer. Ah putain, il est pas. Il a résisté. Alors il enflamme sa bouteille aussi. Voilà. Il est résistant le bleu là. C'est des Pokémon. J'avais vraiment pas fait de rapprochement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Un balai métallique, plaque, superbe tissu. Sujidex, Sujimon vert, bleu et rouge. Capturez tous. Je suis Pikachu. Déjà, il te donne une appli pour les compter. Ouais. Et... Oh, mais il y en a plein. Ah, mais voilà. Ça doit être. Ben voilà, c'est les ennemis en fait. Hein.
Ensuite, tu choisis un mec entre rouge, vert et bleu, ouais. Et l'autre qui dit, je vous choisis. Et ça, c'est... Ah ouais, ça, c'est les mecs, c'est les boss qu'on a déjà affrontés. C'est des Kojimon. Ah mais j'avais vraiment pas fait le rapprochement. D'ailleurs, je me tâte, après Yakuza, à faire un randomizer sur Pokémon. Ou à refaire un sur Zelda. On verra quand on aura fini Yakuza. Tabasser les tous. Maître Sujimon. Sujimon Master. Elle est bonne celle-là. C'est cool, hein. Ok. Bon, maintenant, si on allait faire les quêtes principales. Là. Attendez, il y a un truc à ramasser, là. Aïe. Randomizer sur un vieux jeu ou jeu récent? Alors, sur si je fais du randomizer, c'est sur Zelda Ocarina of Time ou sur Link to the Past. J'ai déjà fait une fois. Il y en a sur la chaîne, YouTube. Et si c'est sur un Pokémon, ça serait sur la deuxième ou troisième génération. Pas sur un très récent. Je pensais plus à la troisième génération. Donc, au troisième jeu. Ruby ou... Ruby, Saphir, je sais plus. Hein. Mais pas les plus récents. Hein. C'est vrai que les dernières générations... Là j'ai fait Pokémon d'épée et bouclier avec ma fille. Et franchement... Pokémon, ça a perdu sa superbe. Si seulement je pouvais en être une femme sexy, tu sais ce que je ferais? J'aurais un boulot dans ce club ici. Moi, je trouve que les Pokémon récents, là... Ça dépend. À voir. Mais je pense de toute façon que si je fais un randomizer sur Pokémon, je ferai genre un sondage sur Twitter. Hein. Attendez. Comme toi, j'ai dit. C'est quoi ces photos là?入浴剤とかでごまかしてよ。洗面台の奥にあるやつ。はい。乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。うん？ああ、そう。休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。 生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたらおやじさんの施設で払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？うん？何？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。おるこん。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。 たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね、お待たせしましたね。パリが俺ここじゃ働けねえわ。あれは、無駄な。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。うん？なんだ、あんたら喧嘩売るためにやってきたのか。え？あ、それは。ハロワの親父からは。 なんとか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。
Genre, c'est pas la prostitution qui devrait se faire. Oui, Ichiban, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, allons-y. Tu as entendu le téléphone. J'ai aussi entré dans des magasins de gaza, et j'ai été venu comme client, mais... C'est un crise de la crise. C'est quoi? Boulouka? Ketsumachi Ozo? Ketsumachi? Uchino Ketsumachi wa Seiryu Kaida. Nakomo Damaru, Yokohama Seiryu Kaida. Sore demo ii no ka? Koko wa Seiryu Kai no shima datta ka. Yakkai na koto nari zo da na. Oi, Kasuga, sasso to zuragaru zo. Oi! Qu'est-ce qu'il va faire? Nando, omae. Honto ni Seiryu Kai yobu zo. Sore demo ii no?働かせてくださいや、店長。あ?何言ってんだお前。見た感じ、店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょ?こう見ても俺、16年くらいこの業界にいたんでね。何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。ダメとベロ。とは言っても、他の方たちが。 Non. Promis, je regardais les personnages. Oh non, pas encore eux là. Ah. Le Bleach Japan. J'arrive pas à croire qu'ils soient déjà de retour. C'est les mêmes types que l'autre fois. Ils viennent manifester ici depuis quelques jours. Ce sont des emmerdeurs de première. Ils t'en veulent pour quelque chose en particulier. On est les derniers dans le quartier à ne pas cacher notre activité. Et revoilà eux. Sont de retour. Tous les autres sont devenus des salons pour hommes ou des salons de détente. Ça rend les choses plus difficiles pour Bleach Japan, ils ont plus de mal à les attaquer. Donc, ils s'en prennent à nous puisqu'on est ouvertement soit à plaindre. Ah, c'est donc ça, soit à plaindre. Ils pensent que s'ils arrivent à faire fermer mon établissement, ça aura un effet domino dans tout le quartier. Pas de chance, hein. Non. Les Yakuza ne veulent pas vous protéger. J'ai bien essayé d'en parler au clan Seiru. Ils ont prétexté je ne sais trop quoi et ils sont arrivés après la bataille qu'il n'y avait plus personne. Et puis chez Bleach Japan, ils ont des membres qui en connaissent un rayon sur la loi anti-mafia. C'est difficile de traiter avec ce genre de personnes, même pour les Yakuza. On peut jamais vraiment compter sur les Yakuza. Donc si les Yakuza, si ni les Yakuza ni la police ne peuvent m'aider, qu'est-ce qu'il me reste? Certaines de mes employés préfèrent démissionner pour éviter les problèmes. Je ne pourrai plus tenir longtemps. C'est donc pour ça que tu as besoin de personnel. Ainsi que je comprends bien, tant que les filles restent, tu peux continuer à faire tourner ton affaire. Cela dit, entre Bleach Japan et la façon dont tu les traites, j'imagine qu'elles n'ont pas forcément envie de rester. Que je sois clair, les filles qui travaillent ici sont déjà au bord du gouffre. Elles sont toutes japonaises, mais... Elles sont exactement dans la même situation que l'immigrant. Bonjour, Julius. Ce n'est pas ce que tu crois. Si elles perdent leur boulot, ce sera la descente aux enfers. Elles n'ont personne sur qui compter. J'ai toujours pensé que... C'était l'argent qui attirait les filles dans ce genre de business. Et bien sûr, il y en a certaines qui viennent travailler ici en imaginant que c'est un boulot lucratif. Mais c'est le genre de personnes qui pensent que l'argent tombe du ciel. Quand elles se retrouvent face à la vérité, elles ne mettent jamais bien longtemps de grimper. C'est pour ça que je n'embauche que des filles qui sont au pied du mur. Celles-là, elles travaillent comme si leur vie en dépendait. Et c'est bon pour les affaires. Tu parles, tu profites bien de la situation de ces pauvres filles. Ça me donne envie de gerber. Crois ce que tu veux, mais c'est un business aussi vital que celui de la restauration. Sauf que dans ce secteur, tu ne peux pas t'apprivoisonner n'importe où. Il faut trouver le bon point de vente. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura des filles pour offrir ce genre de service. C'est comme ça. Non. Vous amusez bien avec les emotes? Peu importe, si on fait dégager ce type, tu nous embaucheras. Ouais. Kazuka, après tout ce que ce pourri nous a raconté, tu veux toujours travailler ici? Parce que moi non, ce type n'a rien à voir avec Amako. On devrait laisser Bleach Japan s'occuper de lui.
C'est un travail comme un autre. Je pense pas avoir le luxe de le refuser. Si tu me confies ce boulot, il sera bien fait, tu peux me croire. Tu nous embauches alors ? C'est d'accord. Alors regardez, il y en a plein d'Izimoth maintenant. Regardez tout ce que... Paf, pif, paf, pouf. Eh, j'ai bien travaillé, hein. Regardez tout ça, là. C'est beau. Hein. Allez, le jeu. Passer. Non. La prostitution est illégale dans ce pays. Et pourtant, cet établissement a pignon sur rue. D'accord. Alors, ça bosse dur. Vous êtes les types de l'autre jour. Celui qui nous ont lancé des couches sur la tronche et des culottes pleines de sperme. Qu'est-ce que vous faites ici? 10 000 bits. Bah ouais, mais c'est parce que je les ai mis parce que j'ai pas... Parce que je les ai mis sur les bits parce que j'ai pas le choix. Mais rassurez-vous, hein, dès qu'il y a des emotes de tir 1 qui se débloquent, je les fous tous en tir 1. Hein. Vous inquiétez pas. C'est juste pour que les gens voient qu'ils sont là, en fait. Mes amis, nous connaissons désormais le visage de ces criminels, de ces pourvoyeurs du vice. Hein ? Des criminels ? Dans ce cas, pourquoi est-ce que la police ne nous arrête pas ? Tout simplement parce que les SAO plaintes se déclarent comme étant des peines publiques. Mes amis, c'est ce qu'on appelle une zone grise. C'est ce qui mine notre beau pays. Nous devons changer ce gris en blanc. Nous devons nettoyer toute cette saleté. Oh. Et si on parlait de toi, tu penses que tu es blanc en neige? T'as jamais commis aucun crime? Je respecte la loi comme tout bon citoyen. Donc t'as jamais pissé dans la rue par exemple? Parce que techniquement c'est un crime, tu sais. Ça ne m'est jamais arrivé, pas une seule fois. Sérieux là? Jamais d'excès de vitesse, ça arrive à tout le monde quand on est en retard. Non, jamais. Sale menteur, c'est interdit de dépasser la vitesse ne serait-ce que d'un kilomètre heure. Ça t'est forcément déjà arrivé. Eh bien non, et si tu me crois pas, prouve-le. Prouve que j'ai bien commis ces infractions. Oh. Dans ce cas, ça tombe bien, il y a déjà plein de blancs au mur. Tous ces gens qui bloquent le passage, ça constitue sûrement une infraction. Tu ne crois pas? Tant d'ignorance, c'est vraiment comique. La police de Kanawa nous a autorisé à manifester. Je vois, elle vous a délivré l'autorisation de marcher sur la voie publique. Ça y est, tu saisis, la police est tellement compréhensive qu'elle nous laisse utiliser la voie publique pour défendre notre cause. Sauf que là, techniquement, vous n'êtes pas sur la route. C'est le ça au plan, là. Du coup, il recule. C'était rien d'autre qu'un petit excès de zèle. Et d'après ce que je comprends, l'autorisation a été donnée pour 10 personnes. Je sais pas très bien un calcul, mais j'ai l'impression que vous êtes plus que ça. C'est juste qu'on a plus de partisans aujourd'hui. Il n'y a rien d'anormal. Le nombre de partisans peut fluctuer jusqu'au jour de la manifestation. Ça te pose un problème, tu peux toujours déposer plainte. Oh là, ça c'est... Mais je doute que la police se déplace pour compter combien on est. Ils n'ont pas que ça à faire, et puis ça ne change pas grand chose qu'on soit 10 ou 15. C'est bien vu, Kazuga. J'ai quand même l'impression que tu oublies un détail. D'après la définition légale de marche, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Si tu t'arrêtes pour faire un speech, c'est considéré comme une obstruction de trafic. Oh, eh, franchement, on part sur des trucs là. Tu as le droit d'utiliser la voie publique uniquement pour marcher. Donc quand tu t'arrêtes ici, tu enfreins la loi. C'est peut-être la règle, mais les cortèges s'arrêtent souvent pour faire un discours. Ah ouais, mais il a en fait des infractions là. Et la police ne dit jamais rien. Tu sais comment on appelle ça? Une zone grise. Oh. Il m'a eu. Utiliser une zone grise pour en critiquer une autre, je trouve ça un peu ironique. Mes amis, reprenons notre marche. En avant. Ah ouais, c'est Phoenix Wright. C'est exactement ça. Là, entre la référence à Pokémon et maintenant à Phoenix Wright. Objection. Non, ah, la prostitution. Purifions, Ichinjo. Ah, c'est ça. Regardez bien vos marchés, ce serait dommage de trébucher. Voyons voir ça.
Ichiban, Kazuga, Kanza. En plus, pour les 10 000 bits, je crois que j'ai mis l'emote la plus dégueulasse que j'ai. Donc, parce que du coup, je sais même pas si je la laisserai ou si je la referai pas. Ce serait pas l'adresse d'Amako. Si, c'est ça. On vit au premier étage. Tu connais Amako? Un peu, ça remonte à quelques années. Ensuite, on a Yunanba. 41 ans. Yunanba? Sérieux, alors Nanba, c'est ton vrai nom? Après tout ce que tu... Vite, Twitch, je vais me faire bannir. Après tout ce que tu m'as raconté, c'est comme les SDF et blablabla. Arrête un peu, tu croyais que c'était pas mon nom, c'est tout ce qui compte. T'es naïf, c'est tout. Ah mais non, c'est parfait, on voit pas les images, je suis là. Et là, juste derrière moi, là, là, il y a des images. Il y a des images cochonnes. Vous ne les aurez pas. Et vous savez quoi? Regardez, je vais même faire un autre truc. Attendez. Alors. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Ça va? Moi j'aime bien ce jeu. Ça vous plaît? Ouais, ça va. On va remettre, je vais jeter comme ça là. Ah, franchement, si jamais j'ai des problèmes avec Twitch parce qu'il y a ça, vu le nombre de meufs qui montrent leur trou du cul sur ce site, je pense que je pète un plomb, ouais. Le dernier Koichi Adachi, 59 ans. Il me restait plus que 2 mois à faire avant la retraite, mais la police de Kanagawa m'a autorisé à partir un peu avant. Dur. Et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Ben, on a des profils atypiques, tous les trois, pas vrai? Un SDF, un ancien Yakuza et un flic qui s'est fait lourder. Et alors, si je commence à faire attention à tout ça, je ne vais plus embaucher personne. Et puis, je pense que j'ai quelque chose qui conviendra parfaitement. C'est quoi? J'espère qu'on va pas devoir nettoyer les bains. Oh, j'ai oublié, allez, ouais. Aucun risque, on les nettoie seulement tous les 6 mois. Ce que je cherche, c'est elle. Elle s'appelle Nanoa. C'est la meilleure de mes filles depuis 5 ans. Ah, je crois que c'est la dernière membre du groupe, elle. Hein. C'est, on a un quatrième membre à récupérer. Et je crois que c'est elle, si je dis pas de conneries. C'est la fille qui a appelé pour prendre sa journée. Celle sur qui tu as hurlé, c'est ça? C'est ça. C'est celle qui rapporte le plus. Tu plaisantes pas quand tu disais que ces filles... laisse tomber. Je vous l'ai dit, les filles qui se contentent d'être jeunes et jolies ne feront pas long feu dans ce métier. Pour que ça en plein fonctionne, il faut être à l'écoute du client. Il faut lui offrir de l'amour. Ce sont les émotions qu'il ressent qui le poussent à revenir. Ça fonctionne à l'émotionnel. Hein. Ça m'étonne pas plus que ça. Les hommes montrent pas souvent ce qu'ils ressentent. Même les gros durs ont besoin d'un endroit pour s'autoriser à être ce qu'ils sont vraiment. Et généralement, plus une femme est sensible à ça, plus elle peut répondre à ce besoin. Le père de Nanoa est âgé, il ne peut même plus se déplacer tout seul. Elle a quitté son travail d'employé et elle est venue ici simplement pour pouvoir lui payer les meilleurs soins. Il faut un paquet de courage pour passer d'un travail de bureau à prostitution. Et c'est pour ça qu'elle est si douée. Elle se donne à fond. Je te vois, Julius. Elle se donne à fond avec tous les clients. Tout ça pour son petit papa. Mais ces derniers temps, elle cherche constamment des excuses pour prendre des jours de congé. Peut-être qu'elle en a un peu marre. Hein. Hein. C'est vrai, dans la catégorie LOL, un stream sur deux, t'as une fille avec un décolleté jusqu'au nombril, sans parler du reste. Ouais. J'adore LOL. C'est la première fois que ça lui arrive. Entre ça et Bleach Japan, mes affaires ne tournent au ralenti. Par contre, j'ai remarqué que dès qu'il y avait des photos comme ça, le nombre de spectateurs, il augmentait. Hein. Je vous vois. Je vous vois. Et vous avez bien raison. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Notre aide pour s'occuper des clients. Je t'arrête tout de suite. Pas ça, idiot. Je veux savoir pourquoi elle prend autant de jours de congé. Elle aurait pu... Oh, le gros plan! Oh, le gros plan! Ah non! Elle aurait pas simplement un petit souci de gynéco. Je la connais. J'ai en fait envoyé le lien de ton stream pour montrer à un pote et tout le monde a cliqué sur le lien. Oh, de fou. Quand une fille qui a besoin d'argent commence à prendre des congés... Mais j'ai même pas le temps de lire. Bonjour Danar.
Tu penses qu'elle fait des extras? Tu sais comment ça se passe, non? Quelqu'un peut m'expliquer? Oh. Il est possible qu'elle ait quelqu'un en dehors d'ici. Quand un client paye pour un service, une partie de l'argent revient au swap. Et l'autre va à la fille. Et s'il se voit à l'extérieur... Oh, c'était trop tranquille sans vous. Merci pour le sub offert. Je lirai après. La fille peut proposer un tarif plus intéressant et approcher la totalité. À partir de là, elle peut très bien se dire qu'elle a plus besoin de travailler au swap. Évidemment, les swaps ne tolèrent pas ce genre de pratique. Elles sont toutes innocentes quand elles arrivent, mais dès que l'argent rentre en jeu, la machine se met en route. Il y a même des filles qui n'hésitent pas à se servir d'un swap pour développer leur petit business. Ça peut apporter de grosses répercussions. C'est pour ça que je veux savoir si elle voit quelqu'un. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on est censé faire? Simplement vous assurer qu'il ne s'approchera plus jamais de Danoa. Débrouillez-vous comme vous voulez. Je crois que c'est la dernière membre du groupe, elle, hein, vraiment. Vu le profil de votre petit groupe, je me fais pas de soucis. Vous trouvez sûrement quelque chose. Et petite minute, tu n'es pas censé faire appel au clan Seiru pour ce genre de boulot. Eux, ils vont le voir comme une assurance auto. Si tu abuses un peu trop, il n'hésite pas à augmenter tes cotisations. C'est mieux pour moi si j'arrive à résoudre mon problème seul. C'est ça d'être patron. Il faut savoir user un peu. Tu peux au moins nous dire où elle habite? D'après ce que je sais, elle passe d'un canapé à un autre ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Comment on va la retrouver alors? Vous pouvez commencer par aller voir au café Pocket. Elle traîne souvent là-bas. Pour le prix d'un café, elle peut profiter du wifi autant qu'elle veut et même recharger son téléphone. J'espère que ça va aller. Si vous arrivez à la convaincre de revenir ici, je saurai me montrer généreux. Du coup, merci Julius pour l'abonnement offert à Nanartruckers. Nanartruckers. Est-ce que je le prononce bien? Nanartruckers. Et bienvenue pour ce stream de folie. Le pire, c'est qu'elles ont des followers. Ouais, celles qui montent leur nibar là, sur LOL et compagnie. Eh ouais. Non, je veux pas passer. Merci beaucoup, Julius. Je crois qu'on est à 1 ou 2 subs de prix pour débloquer un nouvel emote. Nonomiya est futé. Il est un petit futé. On dirait pas comme ça, mais il a l'œil sur tout ce que font ses employés. À mon avis, il sait très bien ce qu'il fait. Ça veut pas dire que c'est un enfoiré. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa petite personne. Franchement, je crois pas. Hein? C'est peut-être pas tout le temps le cas, mais la plupart des swaps profitent du malheur de leurs employés. Genre des dettes qu'ils doivent rembourser ou de leurs problèmes de famille, c'est ça? En gros, oui. Les filles travaillent dur pour s'en sortir et le swap est là pour les aider à y arriver. Ça me plaît pas trop la façon dont Nonomiya parle de ces gens, mais il sait pas non plus d'embellir au tableau. Il comprend la réalité du business. C'est une façon de voir les choses. Heureux de vous revoir! Oh, c'était trop tranquille sans vous. C'est fait. Attendez. Merci, Julius, pour l'abonnement offert à Zapan. T'es à 15, c'est bon. Et oui, je suis à 15. Mais merci beaucoup. Bah, du coup, je rajouterai un emote entier. Hein. Choisissez celui que vous voulez que je mette entier, hein, tiens. Tant que vous y êtes. J'ai grandi au milieu de tout un tas de connards quand j'étais à Kamurocho. Et je parie que ce type a l'affectation pour ses filles. Entre un type comme lui et un enfoiré qui en a rien à foutre de savoir pourquoi une fille bosse dans son swap, y a pas photo. C'est pas parce que j'aime pas les abrutis que je dois aimer les ordures. On va lui trouver sa preuve et empocher notre fric. Ça me va. Même si pour le moment, on n'est pas certain qu'elle a quelqu'un. Merci beaucoup, Julius, encore. Hein. Mon portefeuille est soulagé. On va commencer par aller faire un tour au café qu'elle fréquente. Non mais après, vous mettez pas dans la merde. Hein. Ouais. Alors du coup, pouce bleu. Celui-là du coup. C'est celui-là? Alors il va falloir choisir, hein. Battez-vous. Alors c'est soit celui-là, soit celui-là. Choisissez lequel vous voulez et je le passerai en tiers du coup. Bon alors du coup il faut qu'on aille là-bas.
Est-ce qu'on va là-bas aussi? Est-ce qu'on va faire un tour pour explorer ce quartier là en bas? Après, tant qu'on n'a pas, je suis accommodant. Car je le mettrai après la phrase, j'aime me beurrer la biscotte. Ma bah, pouce bleu. Bah écoutez, je passerai pouce bleu en tier 1 et le face comme ça. Quand on débloquera une nouvelle emote, je le passerai aussi en tier 1. Ce sera les deux prochaines. Elle est vendue comme ça. En tout cas, merci, hein, encore une fois. Vous êtes au top. Oh, il y a un chanteur, il y a deux chanteurs de rue. Oula, c'est dangereux ça. Ils sont tous à côté, vite! Le vomi des flammes. Oh, trois en même temps. Oui, on peut prendre des voitures, mais ça coûte cher. Hein. Et là, on a pas de thunes encore, donc... Merde, faut-tu bourrer. Là, ils attaquent toujours, lui. D'ailleurs, on va lui faire un... On va le soigner. Oui, ça le soigne beaucoup, quand même. Ouais, le problème, c'est que si on prend les voitures, ça coûte beaucoup d'argent. Ah, on a débloqué, on a complété un peu le switch d'ex. Chanteur de rue, chante punk et punk énervé. tu peux te prendre dans la gueule, je veux dire. Je crois pas. Je sais qu'on peut utiliser des aimants du décor pendant les fights. Hein, et je suis pas sûr que moi je puisse moi-même prendre un coup. On va juste aller explorer en bas. Merde, pas vu. Je crois pas qu'on puisse se faire renverser. Les voitures, il me semble qu'elles s'arrêtent automatiquement. C'est tout ça, ce soir. Charge tes nerfs. Ah là je vais en dégommer deux en même temps. Ah non, juste un. Et ça vous fait rire. Hein. Et il affûte son arme. D'accord, il se buff. Hein. Lui avant qu'il attaque. On le dégomme. Donc là j'ai besoin de baston, on a fait beaucoup de cinématiques, il me faut de la baston. Le Fujitex qui s'améliore. Je testerai voir si on peut se faire écraser par une voiture. Dès que ça passe. Juste avant y voir. Parce que là il y a peut-être des trucs, des quêtes secondaires et tout à débloquer. Tant qu'on y est, essayons de tout débloquer dès le début. La baston. Oh, il y a un citadin dégoulinant. Il glisse sur son propre lubrifiant. Ah! Pardon. Ok. Et on l'achève. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les fights, ils ont vraiment lieu dans l'endroit où tu te situes, par contre. Là, c'est pas genre en artifice, on te téléporte dans une arène... Une arène au pif. Ok, bon, là, y a rien. On va essayer de passer par là. Faut pas oublier que, normalement, aussi, y a des coffres dans la ville. Si vous voyez ces coffres, vous me le dites, hein. Ah bah tiens. Cette coffre en argent, je l'ouvre. On a une clé pour l'ouvrir. Matraque en carbone. Hein. Avec les clés en argent, on peut ouvrir ces coffres et récupérer le matos qu'il y a dedans. D'ailleurs, hein,
du coup, Nanba, c'est Nanba qui a récupéré un truc. Balai mécanique, balai métallique pour le gros. Ouais, c'est pour le gros. Je comprends pas trop. Ah si, elle est meilleure. Hein. On passe de 5, 10, 4 à tout ça. Ah oui, je prends le balai métallique. C'est un balai d'Harry Potter. D'ailleurs, on n'a pas de l'équipement à lui mettre, lui. Non, on n'a rien. Et le gros, matraque ternie, il va passer à matraque en carbone. C'est bien ça. On commence à débloquer des objets. Ah, il n'a pas d'équipement. On va lui mettre ça pour qu'il ait plus de points de vie. Et on va lui mettre... Alors lui, il est résistant aux effets de confusion. Si je sais pas de conneries. Du coup, on va lui mettre cette amulette ardente qui va lui permettre de résister au feu. Ça y est, on commence enfin à jouer à Yakuza. À force. Bon, ben allons... Ça, tu vois, tu me posais la question d'ailleurs tout à l'heure. C'est ça, les points pour se soigner. Jerry Rogers. T'as ça et t'as les restaurants, normalement. On va continuer la quête. Hein. Au début, j'explore un petit peu, mais pas trop quand même. Parce que vu qu'on n'a pas tous les personnages dans le groupe, on est en finalement, tant que le groupe est pas complet, on est encore dans la phase de tuto. Allez, c'est là. On va essayer de pas se faire repérer par le groupe d'ennemis. Kusa, manseki ka. Oi, are mite miro. Ah quoi, je suis pas sûr que ça soit elle. Yesh, sasoku toizume yo ze. Baga. On parie combien que ce type c'est un yakuza. Vu comme il est solide, vu comme il a les épaules larges, ça doit être un yakuza. あの男、裏引き相手なのか。ええ、二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だって、こっからじゃ何も聞こえねえぞ。カズが、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。分かった。ちょっと待って。 L'excuse. C'est pas con ça.大丈夫ですか？随分と疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。もう今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いねえ。待て。受け渡しの瞬間を抑えてからだ。 残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱりまさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今更。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね。やっぱり。 分かるでしょ。でも完璧に。はい。でも父も。
大丈夫ですね。お父さんもあなたも慣れますから。父に会うことはそれはできません。その方がいい。父をお願いします。わかりました。さあもう行きなさい。 Peut-être que c'est pour soigner son père. いや、悪い。おい、おっさん。謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ。こいつ骨折れちゃってる。いや、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 
気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん、うん、ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっきサテンで会ってた男はここの職員か。だとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。うん、ouais c'est chelou, c'est chelou, toute cette affaire est bizarre. はい、日だまりの城受付窓口でございます。あのこちらにナノハさんのお父さんが入居してますよね。ナノハさん、ああ向こうだ、ナノハさんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、俺らその向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、いや中に入れてくれねえかい。すみませんが面会は親族のみとなっております。ああ、普通はそうだろうな。いや面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。Ah, mais je suis pas sûr qu'on puisse voir ce qui se passe vraiment. J'ai dit. Eh? 内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。En plus, Julius, il peut pas voter parce qu'il est, il est modo. Mais je suis pas sûr qu'on ait le temps. En plus, il y a une quête entre temps. Ouais, je pense vraiment pas qu'on aura. Ah, il y a une quête ici aussi. Je pense pas qu'on aura le temps de voir. Oh, des méchants. Bulldog. Étranger sévère. Le vomi des flammes. Ça fait marrer. Après, c'est efficace, ça attaque plusieurs mecs en même temps. Ah, il est pas mort. Ça remplit notre Pokédex. Oula, j'ai pris cher. Au moins, ça remplit le Pokédex. Ça. Ah, carrément! Ah, c'est carrément, il attaque avec le flingue en fait, le mec. La clé brutale. Bulldog n'a pas le caractère. On a eu du plomb. Oh, on a eu des clous. Ça se trouve, on a assez. Ou pas. Bon, dirigeons-nous vers cette quête secondaire. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas trop le temps d'avancer sur la quête principale. Il faudra attendre lundi après-midi pour la suite. Hein. Qui sait, peut-être que samedi soir, parce que je vais streamer vendredi soir en fin de soirée. Mais il y a des chances que samedi soir, on stream aussi. Hein. Donc si on stream samedi soir, peut-être qu'on y jouera. Excuse me. Can you tell me how to get to the station? Ouais. Nan datte? Alors je suis comme lui. Can you tell me how to get to the station? Ho ho.
C'est si loin lundi. Eh ouais. Répondre dans un anglais approximatif, demander quelque chose, je ne suis pas intéressé. Ouais, bon, inventer quelque chose, c'est pas trop le genre de Kazuga. Enfin, répondre dans un anglais approximatif. Bon, oui. Et, Can you tell me how to get to the station? Go straight and turn right. Go go go. Go your way. Believe yourself. Oh, all right, thank you. You are welcome. English 資格検定の賜物だ。あ、ありがとう。Il est un peu excité le type. Qu'est-ce qui va encore arriver à Ichibana? Je suis venu à Ichibana. そうだ。せっかくだから体験してみたらいい。体験？ああ、この学校では今初回講習無料キャンペーンをやっているんだ。あ、ça va être un truc comme le cinéma en fait. Ça va être un mini game et ça va permettre de développer ses compétences. なら全は急げだ。ついてきなさい、皆さん。さあさあさあ。Ichiban qui se fait encore embarquer.Après, c'est peut-être utile pour débloquer des nouveaux jobs aussi. Hein. On va voir. Moi, j'aimais bien mon ramassage de canettes. C'était bien aussi. Ah, Ikari-san. Je crois qu'il en pince pour la fille. Ah, そちらの方は？この人ですか？この人はその体験レッスンの希望者です。C'est vrai qu'Ichiban il a une thèse à étudier. このこと、怒りが介入したんですよ。なるほどね。この子の気を引きたいがために俺を紹介したってわけか。そうなんですか？ご紹介ありがとうございます。イカリさん。J'aimerais un peu, parce que je ne vais pas finir. Je vais 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 finir.合格すればいいとは考えていないんです。大切なのは資格取得をする中でいかにその人自身を磨くことができるか。développer sa personnalité, ça doit être pour up ses traits de caractère en fait. そこに時間を置いた教育を行っています。もしポジションができたら取れたとしても、人として成長できなければ意味がないと考えているからです。いいこと言うな、宮越さんは。お前。Ouais, c'est exactement ce que je pensais. C'est fou, il lit dans ma tête à chaque fois, Ichiban. Hein, parce que...
Moi, je suis ultra gêné, ouais, bien sûr, Julius. Assister à un cours d'essai. On va faire ça. C'est par où? C'est par là. J'ai pas lu. Il est où le cours d'essai? Ah, il faut lui parler à elle. Je suis jamais sorti avec trois meufs en même temps. Ouais, moi. Moi non plus. Mais c'est qui est la plus grosse? Vous êtes prêts à commencer votre cours d'essai? Allons-y. C'est un... Mort de rire. cet endroit vous permet de vous développer en tant qu'individu. Passez des examens pour améliorer vos différents aspects de personnalité de Kazuga. À l'exception de l'examen d'entrée, vous devrez payer des frais d'inscription pour chaque examen. Faut de l'argent encore. Faut de l'argent pour tout. Répondez correctement à 3 questions sur 5 pour réussir. On va augmenter notre passion et notre charisme. Ça, c'est pour des donjons comme vous, ça. Elle empêche d'avoir eu ce livre. C'est bien, hein, d'avoir ramassé les canettes. On a récupéré un livre, on a augmenté notre charisme. Allez. Début du test. Ah, mais c'est la question! Le basketball est un sport dans lequel deux équipes qui s'affrontent doivent marquer des points en lançant des ballons. Le nombre de points est attribué. Quel est le nombre maximum de points pour être appelé? 3 points! Le marathon est une épreuve individuelle de course à pied pour laquelle il faut parcourir 42, lequel est cet événement? Suivant est à l'origine de cette distance. Les Thermopylies! Oui! C'est ça! C'est chez les Grecs! Au bowling, quels sont les 10 objets que la boule doit renverser? Des quilles! Non, c'est pas ça, mort de rire. Sur un parcours, le golfeur doit envoyer sa balle dans un trou et un minimum de coups. Chaque coup, blablabla. Un coup donné pour que les golfeurs soient censés atteindre surtout réussir le parcours. Comment s'appelle une fin de parcours avec 3 coups sous le par? Un eagle! C'était marathon. Ah, le football est un sport dans lequel les deux équipes qui s'affrontent doivent marquer des points en envoyant les ballons dans les cages. C'est un autre joueur que le gardien touche le ballon avec les mains. Comment s'appelle-t-elle? Main, touche, pied, pouce. Je sais plus, moi. Une main. C'est quoi ces questions de fou? Ouais! Je savais! Enfoiré de Julius! Et t'as mon coup, c'était 300. J'adore enfoiré. Bon, vous, j'ai réussi quand même! Waouh! Votre passion, votre charisme augmente. J'ai envie d'en refaire. Putain, espèce d'enfoiré! Le marathon est une épreuve individuelle de course à pied. C'était la bataille de marathon. Eh bien, en vrai, je ne savais pas. C'était pas un truc grec comme quoi le mec qui courait annoncer comme quoi il a eu la victoire. Si, c'est ça. Comme quoi ils ont eu la victoire et du coup, à la fin de la course, il annonce la victoire mais il meurt tellement il a couru. C'est un truc comme ça. Hein. Pas la victoire, enfin la bataille quoi. Enfin... Ou comme quoi les mecs, ils avaient l'invasion, voilà. Un marathon, ça vient de marathon. Hein. Je te déteste, Julius. Et oui. Ça, c'était quoi? Un albatros. J'ai pas voulu répondre à albatros parce que je me suis dit, ouais, ça semble trop con. Parce que moi, le golf, je connais pas du tout. Alors, niveau sport, moi, je suis une brêle. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est un eagle. Et non. Heureusement qu'il y avait ça. Hein. Victoire! J'ai envie d'en faire un autre du coup. Hop, attendez, bougez pas. J'ai un appel. Hein.
僕みたいに資格の達人になるにはまだまだ道のりは長いけどね。いちいちうるせえな。Attendez. Eh ben, allez vous faire foutre. Ah non, mais je te fais plus confiance, Julius, c'est foutu, hein. Et maintenant, il va me balancer des bonnes réponses, et ça... Et je vais pas le faire confiance. Meilleur jeu. Mini-nar, tu vois. 自分が成長した感じがして気持ちいいな。それは良かったです。人としての成長、人間力の育成こそがうちの学校の目指すところですから、もしよろしければ、うちは入学は無料、取りたい資格があるとき申し込まなければ料金はかからない。とりあえず入学しといて損はないわけだから入学した方がいいよ。宮口さんのためにもするんだ。さあさあさあ、ちょっと分かったよ。俺も人間としてもうちょっと成長してみてえからな。試しに入学してみるわ。ありがとうございます。一緒に人間力を伸ばしましょう。Kazuga est maintenant inscrit à l'école professionnelle. Mais il a pas 16 ans, Jelly. T'as 16 ans? Mais non, tu m'avais pas dit. Mais si, tu m'as dit que tu travailles. Je sais plus, moi. Je confonds. De nouveaux examens de certification sont disponibles. Vous pouvez repasser dans ces examens gratuitement et autant de fois que vous souhaitez. Bagatta. Daga, ironna course ga arun daro. Ah, so desu yo ne. Nani ka sapoto ga hitsuyou desu yo ne. Un guide pourrait vous être utile. Sore nara, shikaku shitokusu 50 o koeru shikaku no puro no kono boku ga sapoto shite sashiagemashou. Omae. Wa! Ikari-san ni sapoto shite itadakeru n deshitara hontou ni tasukaremasu. Demo, ii n desu ka? Ah, ah ben je te voyais vachement plus vieux du coup. Ouais, des collégiennes. Tiens, je ferais une emote clin d'œil comme ça. Igari-senpai. Makasete kureta mae. Boku ga yasashiku sapoto suru sugata. Miteite kudasai ne, Miyakuchi-san. Hai. Sore ja kasete. Eh, je ferai, je pense que du coup, je ferai une emote, je sais plus si je l'ai fait, une emote clin d'œil genre comme ça. Ça serait pas mal, hein. Allez, collégienne. Eh ouais, mais du coup, vu que tu donnais des cours, hein, c'est pour ça que je me disais que je te voyais plus âgé. Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Mais c'est fou, tu pécho plus de meufs quand tu veux que du sexe, que quand tu veux une relation. Ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, au moment, alors... alors, ça va détruire la légende, hein, ce que je vais dire. Mais... entre mon ex et ma femme actuelle, je me suis inscrit sur Mythic. Et ben rigolez pas. C'était gratuit. Et ben j'ai jamais autant pécho. Alors qu'à la base, j'y allais vraiment pour trouver l'amour. Hein. Mais ben, franchement, mon cul. Hein. L'amour, mon cul. Hein. Smartphone divers. Vous avez payé des frais. Vas-y, on s'en refait un vite fait. Bonjour. Passez un examen. Wow. Sport niveau 1. Non, mais on a compris que moi et le sport. C'est un peu ça, oui. Des études de la pègre. 50 000! Eh bien, ce sera pour une autre fois. Voilà. Ouais, à plus ça. Hein. Non mais c'est vrai. De toute façon, l'amour, tant que tu restes. Oh, il y a une quête là-bas. Mais elle est si loin. On va y aller. Ah mais c'est si tard. Ah ben on va s'arrêter en fait. Hein.
Oh, j'ai envie de faire toutes les quêtes secondaires. On va toutes les faire. On va jamais avancer. Je vous le dis, on va jamais avancer. On va jamais avancer sur cette histoire. On va faire... Moi, vous savez, je suis toujours comme ça. C'est toujours... Je fais toutes les quêtes secondaires en priorité. Et après, j'enchaîne sur les quêtes principales. Pour ne rien rater. Merci pour ce conseil, Juice, mais je n'en suis pas encore là. En plus, elle habite loin. La relation à distance. Ah ouais, le pire. Le pire. Oh, oh putain, ça me rappelle un souvenir du coup, maintenant que tu dis ça. Ah, j'ai déjà eu une... Dans ma jeunesse, dans ma folle jeunesse, j'ai déjà eu une relation à distance aussi. Oh, c'était il y a... C'était il y a longtemps. Ah, oh, c'était dur. Enfin, c'était dur. Je m'en souviens. Ah, oh, j'étais jeune en plus. J'avais quoi? J'avais 15 ans. Si je dis pas de conneries. Et cette gonzesse, en fait. Hein. Je la connaissais... Je la connaissais comme ça, vite fait, on s'était rencontrés sur Internet. Et puis genre, au début, c'était hyper sérieux. Genre, on se voyait tous les jours. Enfin, par webcam. Puis au final, à un moment, je sais plus, elle m'a dit un truc, ça m'avait cassé les couilles. Mais juste un truc, hein. Elle était adorable, mais elle m'avait dit juste un truc. Et je la voyais chier. Je lui ai dit, mais tu me casses les couilles! Et on s'est plus jamais parlé. Tu la vois toutes les semaines, non pas dans les vacances. Hein. Ouais, chaud, moi, je peux pas, obligé de voir une fois par semaine. Après, quand t'as une femme que tu vois tous les jours, tu diras pas forcément ça. Mais c'était rigolo. C'est bien une relation à distance comme ça. Ça permet un peu de se forger aussi et de s'abriter, de pas avoir de trop grosses peines de cœur. Moi, l'année prochaine, je vais habiter à 2 km chez elle. Ah, bah, c'est bien ça. J'ai dit une fois par semaine, pas plus. Faut vider le paquet. Mais quel gros bof. Je vais partir en sous-set. En sous-set. Ah pardon. Ah pardon, j'étais obligé. Excuse-moi. Excusez-moi. Ouais. Un emplacement en plus. C'est cool ça. Eh, regardez. Hop là. Ça va finir à Monique et René, mort de rien. Un échange de zozettes. Eh, bim. Ouais, un placement. Grâce à vous deux. Félicitations. Félicitations. Un nouvel emplacement. Donc du coup, on va virer pouce bleu. Allez, pouce bleu, tu dégages. C'était pouce bleu, oui, hein, qu'on devait virer. Attendez, je sais plus, c'était pouce bleu ou face tap? C'était pouce bleu. Du coup, il va falloir que je mette un autre truc à la place de pouce bleu. Oh, ça va. C'est de 15, il faut passer à 25. Hein. Oh, c'est bon, ça. C'est dans pas trop longtemps pour déverrouiller un nouvel emplacement des Magicons. Hein. Je pensais qu'ils allaient genre doubler le truc, mettre 30 ou 40. C'est pouce bleu. Allez, casse-toi, pouce bleu. Hop là. Il est où? Ah, vous voyez toutes mes... c'est magnifique, hein. N'est-ce pas? Allez. Pouce bleu. Non, c'était pas comme ça. C'était comme ça que je l'avais mis. Donc là, vous voyez, là, il est grisé. Donc ça veut dire qu'il est en attente. Hein. Il n'est pas validé encore. Même si je l'avais déjà mis sur ça, je suis quand même obligé de le remettre. Je peux pas, genre, prendre cet émoticône et le mettre là. Donc il va falloir attendre. En général, ils mettent 3-4 jours. Hein. À valider. Voire plus, non. C'est plutôt 4-5 jours. Hein. Ah, maintenant, regarde, tu vois, même si tu échanges. Tu vois, si je fais comme ça, là. Ça marche pas, tu vois.
T'es obligé de le... Attends. Non, c'est bon. Eh ouais, t'as vu? Oui, ma superbe banque de données. Pouce bleu. Allez, on remet. Alors, du coup, il va falloir attendre un petit peu. Mais c'est cool! Ma grosse banque de données. On va attendre. Allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Hein. La banque de données du tavernier. Tout ce que j'ai là. Les trucs des VOD et tout. Ça n'en finit pas. Les bannières et tout. Hein. Je me perds dans tout ça. Je me perds. Mais ouais. Du coup, c'est validé. Merci infiniment, en tout cas, à vous deux. Pouce bleu. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire, hein? Ah oui, c'est vrai, la prochaine emote, je sais ce qu'on fera. Je ferai genre un gros clin d'œil comme ça. Sans les lunettes, parce que si on voit pas, mais genre comme ça. Ça me semble être une bonne idée. Non? Je la mettrai au truc des beats. J'avais une cahute en ruine sur le sentier qui relie Schnaffon à Val-Tor du. La vie en ermite sans être un super pied, c'était pas trop pourri non plus. Pendant des années, j'en ai vu des bourrins, des nabos, des guerriers, des elfes et des sorciers marcher dans mes tomates en faisant les malins. Comme font tous les aventuriers. Allez, chauffe. Ok, je pète un plomb. Soir, cette équipe de blaire, ils avaient les excusez-moi. Pardon. J'ai mis de plus envie du Yakuza que Total War. Ah, tiens. Eh, hey, Yakuza, c'est sympa quand même. Tiens. C'est sympa, Yakuza, en vrai. Faut juste donner sa chance. Après, c'est vrai que ça parle beaucoup quand même, Yakuza. Ça parle beaucoup. Ah, tu veux que j'aime me balader à poil là? Attends. Parce que peut-être que... Ah ouais, il doit pas connaître Jelly, ça. Attends. Les vraies musiques. Les vraies musiques, après on arrête. C'est après, il faut que j'aille chercher ma fille. Hein. Attendez. Quoi dans l'ambiance, ça, je... Attends, je le trouve pas, on va aller directement sur YouTube. J'aime me balader à poil dans la forêt. Truc de vieux. Truc de vieux ! Truc de vieux ! C'est inadmissible. Non. Quand j'en ai marre, quand la vie me demande trop, quand je suis tellement fatigué que je confonds les toilettes avec l'évier, quand j'en ai vraiment ras-le-bol, rien à foutre, je pars en bagnole. Elle part en petits morceaux pour avancer. J'utilise une dynamo. Je mets un EPAP et beaucoup de parfum, une boîte de capote pour mon meilleure musique. Et pour passer un moment de folie, je vais en boîte de nuit. Non, je déconne. En fait, je pars loin en campagne, j'enlève tous mes vêtements et ensuite je me balade dans l'herbe en chantant. Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. J'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. C'est la meilleure musique du monde. Pour passer un bon moment, je prends avec moi quand même des céréales et une épée en carton. On n'est jamais trop prudent. L'épée c'est pour fêter les orties. En plus elle est beaucoup trop jolie, mais elle part en petits morceaux.
dos pour l'arranger. J'utilise un sac à dos. Quand je croise des gens, ils partent en courant. De face, j'éblouis. Ou bien c'est mon derrière. La dernière fois, une grand-mère l'a vue. Elle a vomi, puis est partie. Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Et je vous jure que c'est vrai. Je tombe sur un lutin avec un petit bonnet. Il me dit que des brigands vont raser sa forêt. Je vais t'aider, tu peux compter sur moi. J'adore badifoler totalement nu dans les bois. Mais si ça part en petits morceaux, J'utilise mon incroyable talent de héros. Il est temps de se battre pour ce qui compte vraiment. Pouvoir chanter entre les arbres sans vêtements. Mes accords sont chauds et mon son est stupide. Le vent voyageant sur mon corps en matob rigide. Moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Moi j'adore partir à poil à l'aventure. Meilleure musique. D'ailleurs, une faute dans le titre. Encore ! Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a que des fautes. Je fais que des fautes. JPP. Moi non plus. JPP. Bon, les amis. Très content en tout cas que Yakuza, ça vous ait plu. Très content de ces derniers streams, très content de ces derniers jours. Ça fait depuis 3 semaines que franchement, je me prends un régal, mais vraiment plus qu'au début de streamer sur Switch. Depuis qu'on a commencé à faire les streams de nuit, bah, ça a amené un peu de monde et tout. Orthographe sur 20. Au secours, mon orthographe qui est totalement à poil dans l'aventure à la forêt. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais à tous des bisous. Je vous dis à très bientôt. Prochain stream. Moi, les streams de nuit, ça m'a décroché. Je comprends. Et c'est pour ça qu'on prend les streams de jour. Sauf que demain soir, stream de nuit. Parce que demain soir et peut-être samedi soir, c'est pas sûr. Mais demain soir, à partir de 23h30, on va faire un petit stream de nuit. Un stream sauvage va apparaître sur votre écran. À partir de 23h30 jusqu'à 1h30. Sur ce, on fera soit du Total War, soit du Yakuza, je ne sais pas, très certainement du Total War. Parce que Total War, faut qu'on avance, parce que bientôt, on va voir la nouvelle campagne Total War qui va arriver derrière. Je vous fais à tous des bisous, 23h30, pas de stream de jour par contre, hein, d'accord ? Allez, sur ce, des bisous. N'oubliez pas, si vous voulez savoir, le programme, il est disponible sur le programme en bio, je mets précisément les heures. Bref, des bisous. Ouais, très certainement sur Warhammer. Des bisous et à bientôt. Salut. Ou Yakuza, on verra. Je verrai selon ce qu'on me dit. Selon ce que Twitter me dira. Des bisous. Et merci encore d'avoir été là. Et merci pour les subs et des bisous. Allez, j'y vais.